Ok, salut tout le monde, ça va? J'espère que les premières vidéos se sont bien passées. Aujourd'hui, pour cette troisième vidéo, je fais un renfort, mais un petit peu plus tonique, on va dire un petit peu plus difficile. D'ailleurs, je propose toujours des options. Donc, si on voit que c'est un petit peu trop dur, n'hésitez pas à prendre les options. De toute façon, ce qu'on veut, nous, c'est surtout bien faire, d'accord? Donc, si on voit que c'est un petit peu trop dur, on perce un peu sa posture. Vaut mieux diminuer l'intensité, d'accord? Ben voilà, il n'y a plus qu'à. Si vous avez vu, j'ai des poids qui sont là. Moi, j'ai des poids que je peux accrocher au niveau des chevilles. Si vous en avez, prenez-les. Ce sera encore mieux pour travailler vos fessiers. Je vous dirai à quel moment les mettre. Hein. Pour l'instant, on les met sur le côté. Et puis voilà, comme d'habitude, échauffement, je vous fais la séance. Et puis après, on finit par des petits étirements, un petit retour au calme. Voilà, pareil, une demi-heure de renfo, histoire de se sentir bien après. Voilà, et ben il n'y a plus qu'à. On va se placer les pieds larges en épaule. On déverrouille un petit peu les genoux. Et puis on va commencer par monter les épaules. On monte et on descend. Voilà, je pense déjà à me redresser, à rentrer un petit peu le nombril, à serrer un peu mes fessiers. Je monte et je descends. Ok, on vient faire un dos rond et un dos plat. Je fléchis un petit peu les jambes, je rentre la tête. Je pousse les mains devant et le dos vers l'arrière. Ok, un enfant encore. 4, 3, 2, ok, c'est des step-touch droite-gauche. On avance à droite puis à gauche. On va être souple au niveau des jambes. Vous avez vu, je place ma pointe de pied. Par contre, le haut du corps, je suis toujours à me redresser. D'accord, mon nombril rentré, fessier serré. Et ma tête, elle monte dans le plafond. Je mets le rythme avec les bras. Moi, je me redresse. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, la même chose avec le bras devant. Bras devant, attendez. Et 4. 3, 2, le bras vers le haut. Encore. 4, 3, 2, ok, on vient de faire des talons. Ah, j'arrête un peu aussi. Donc j'ai toujours les bras pour mettre le rythme. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, j'ai toujours le talon face. Je vais rajouter le bras opposé qui pousse devant. Ça lui faut encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, on alterne les genoux. Tranquillement, les genoux vont tourner vers l'extérieur. On essaie d'ouvrir la hanche. Et voilà, encore, toujours une belle posture, n'oublie pas. Encore. 4, 3, 2. Ok, le genou, on vient le faire devant. Et on rajoute le bras opposé qu'on pousse vers le haut. Voilà, si possible, le genou, il monte au moins jusqu'à la hanche. Encore. 4, 3, 2. On va retourner en talon-fesse et on vient pousser deux bras devant en même temps. Il y en a encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, on monte le genou et les bras vers l'eau. Le genou est tourné vers l'extérieur. Encore. 8, 7, 6. 5, 4, 3, donc on fait un genou devant et à chaque fois qu'on fait le genou, on vient descendre les bras de chaque côté. Comme si on voulait casser une planche avec le genou. Ha. Encore, il reste encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, on fait un coup de pied devant, je me redresse. Et un coup de pied devant. Voilà, je pousse bien le talon devant, j'ai la pointe de pied qui remonte bien le visage. Encore une fois. Encore. 4, 3, j'ai un petit peu de coordination, j'ai le coup de pied, j'ai le bras posé tout sur le côté. J'imagine un réfléchir dans la télé. Et va 4, 3, 2, ok, tranquillement, viens faire un tap sur le côté. Je fléchis un petit peu les jambes et je viens faire un tap. Encore. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, ok, on vient de faire un coup de pied sur le côté et on vient de redresser et il y a les bras pour les deux bras. Encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et marchez, bien ça se relâche. On n'hésite pas à boire une petite gorgée, à se découvrir si on est un petit peu trop chaud.
Après, on y va. On va commencer par des squats. Pieds espacés, largeur d'épaule. Les pieds sont parallèles et tu regardes devant. Et là, on commence par faire des jolis squats en poussant les fessiers vers l'arrière. Je rappelle, les squats, les genoux sont alignés avec les pieds. D'accord ? Je n'ai pas les genoux qui rentrent à l'intérieur. Bon, un seul. Non, les genoux bien alignés. Les fesses, je les pousse moins vers l'arrière. Je place mon body corps sous les talons. Et mon dos, je le retiens. Hein. Je ne suis pas faire tomber mon dos. Non, je fais garder par mon dos, aligné avec mon bassin. Encore. 4. 3. 2. Ok, la même chose, mais à la montée, on va décoller les talons. Ça fait talon, pointe de pied. Talon, pointe de pied. Encore, j'écrase mes talons et là, je pousse sur la pointe de pied. J'inspire la descente et je souffle à la montée. Ouais. Ok, il y en a encore 8 comme ça. 8. 7. Encore. 6. 5. Plus que. 4. 3. 2. Ok, on va rester en tout petit en bas. Allez, faut lui corps sur les talons, attention à la posture. Si vraiment ça devient trop dur, je commence à arrondir. Dans ces cas-là, les mains sur les jambes ou les sur les hanches. Hein. Encore. 4. 3. Je reprends, mais si on veut, on peut jumper. Je descends et je jump. Si je veux pas jumper, je reste sur le niveau où je décolle les talons. Donc soit les talons, soit le jump. Encore. Fais-toi à chaque fois un beau squat. Hein. Faut les corps sur les talons, les genoux bien alignés. 8. 7. Encore. 6. 5. Forcément, l'avant des cuisses, ça commence à brûler un peu. L'arrière des fessiers. Encore. Ok, respire en petit en bas. Allez, petit en bas. On respire. Cuisse bosse, d'accord. On calme un peu son cardio là. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On fait une dernière série. Allez, c'est parti. Ah, 2 fois 8, hein. Allez, 2, on s'accroche. 3, allez. 4, 5, 6, 7. Ok, c'est les 8 dernières, les dernières. Allez, 8, 7, encore, 6, 5, plus que 4, 3, 2, et on relâche. Ouais. On en fera deux tout à l'heure. La petite pause, on va la faire sur les genoux et sur les mains. On va laisser reposer un peu les cuisses. On va espacer les mains largeur d'épaule. Vous avez reconnu, hein, on va faire des bons. Plus on rapproche les genoux, plus c'est cool, plus je recule, plus c'est difficile. Le dos en position neutre, pas creusé, pas trop arrondi. Le dos en neutre, j'inspire un peu le nombril, j'inspire, je descends, et je souffle, je remonte. Encore. J'inspire, je descends, et je souffle, je remonte. Encore. 4 comme ça. Et je reviens. Encore. 3. Allez, quand je descends, j'essaie d'avoir les épaules qui descendent entre les mains. D'accord. Pas ça, hein. Ça marche pas, hein. Ok, je fais la même chose, mais à la montée, je lève un bras vers le haut. Je descends et je monte un bras. Encore. Quand je monte le bras, j'essaie d'aligner les épaules. Encore. 4. Et j'ouvre. Encore. 3. Et j'ouvre. Alors, bien comprendre le sol. Hein. 2. Ok, dernière. Ok, les deux mains sur le tapis, on en fait 8. 8, c'est bien rapide. 7. 6, c'est les dernières. Ça devient trop dur. Au lieu de perdre sa posture, rapprochez vos genoux. Encore 2. La dernière. Bravo, ouais. Allez, tendez les bras, fessiers vers l'arrière. Allez, forcément, ça pique un peu, mais accrochez-vous. Hein. Les cuisses, elles ont le temps de se reposer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut reprendre avec elles. Allez, on va se remettre debout. Je refais la même chose que tout à l'heure, d'accord? Pieds espacés, largeur d'épaule. Les pieds sont parallèles. On sait bien, quand on fait un squat, je pousse bien mes fessiers vers l'arrière, d'accord? Pas de genoux qui partent vers l'avant, hein, ok? Ok, c'est parti, on descend. On descend et on décolle les talons. 2, encore. 3, 4, 5, 6, 7. 8, allez encore. 8 comme ça. Aïe. 7. Encore. 6.
5, plus que 4, 3, 2, ok, c'est le moment des petits en bas. Allez, petits en bas. Allez, là j'ai pas besoin des orteils, hein. Je suis sur mes talons, les fesses pointent vers l'arrière. Attention à la posture, hein. S'il faut, les mains sur les hanches. Encore, 4, 3, on remonte et si on veut, il y a le son jump. Donc soit je décolle seulement les talons, soit je jump. Donc soit là. Oula, on choisit tant que c'est bien fait, tant qu'on a un beau squat, on pousse les fessiers vers l'arrière, le poids du corps sur les talons. Encore 8 grands, 8, 7, encore 6, 5, 4, 3, 2, ok, petit en bas. Allez, il reste 45 secondes de ça. Allez, petit en bas, il prend 15 secondes. Je vais vous bien éliminer, hein. Ne faites pas tomber la tête. Gardez bien la tête alignée avec le dos. Voilà. Non, on part en souffle, on est bien. Et bah 4, 3, 2, on remonte. Allez, c'est les dernières. 1, allez. 2, encore. 3, 4. Je rappelle, ça devient difficile. Vaut mieux passer l'option, d'accord. Tant que c'est bien fait. Tu sais, brûle, c'est pas grave, on peut continuer. Hein. Encore, c'est ce qu'on veut. Hein. 8, 7, 6. 5, plus que 4, 3, 2, 1, super, ouais. On se met à genoux? C'est décrit ça. On fera une petite pause juste après, hein, d'accord? On fait quelques pompes et après on fera une petite pause. Main reste assez largeur du tapis, les genoux plus ou moins loin. C'est parti, on inspire, on descend et on souffle, on remonte. J'inspire, je descends et je souffle, je remonte. Plus mes genoux sont proches des mains, plus c'est dur. C'est pas grave si les fesses sont en l'air, hein, d'accord? Ok, la même chose. On descend et on lève un bras, d'accord? À chaque fois alterné. Ce que je veux pas du tout, c'est au niveau du bassin. Je suis pas mon dos creusé ici, hein. Non, je suis toujours en position neutre. Un bas du dos pas trop creusé, pas trop plaqué. On en fait encore 4. 4. Et je lève. Encore. 3. Inspire la descente. Souffle à la montée. Encore une fois. Allez, on s'accroche, on finit par une vie rapide. 8. 7. Encore. 6. Ça devient trop dur. On rapproche les genoux. Mais on s'accroche. 4. 3. 2. Et 1. Bravo. Super, les bras tendus. On vient tous s'en épaissir à l'arrière. Et on a chaud. On voit un peu. Puis après, on va travailler un peu plus l'arrière des fessiers, l'arrière des cuisses. Et puis les abdos. Donc pour ça, on va s'allonger sur le dos. On est sur le dos, les jambes fléchies. Comme d'habitude, on place son dos. D'accord? Un bas du dos pas trop creusé, pas trop plaqué. On est en position neutre. Là je suis creusé, là je suis plaqué, je me mets entre les deux, j'inspire un peu le nombril, d'accord. Là ça permet de contracter ma sangle abdominale, ça protège mon dos, et en plus ça fait travailler mes abdos. Je pose la cheville gauche sur le genou droit, mon talon droit à peu près sous le genou, je décolle un peu le fessier, et une fois qu'on est là, on monte et on descend. Ne reposez jamais les fesses au sol, je monte et je descends. Soufflez quand vous montez. Là, mon fessier, je le serre à la montée. Ok, il y en a encore 8 grands comme ça. 8, 7, on va travailler l'arrière de la cuisse et l'arrière du fessier. Hein. Encore, 4, 3, 2, ok, tout petit en haut. Allez, je pousse sur mon talon. Je respire tranquillement. Je fais attention, j'ai pas creusé mon dos, je suis toujours sur cette position neutre. Si on va compliquer. Enlevez la cheville sur le genou là. Vous avez seulement le pied décollé là. Et on repart en grand. Si vraiment ça devient trop dur, on continue à reposer la cheville sur le genou. Hein. Encore. Je monte et descends. Attention, hein, le fait d'avoir décollé ici le pied, le bassin, il a envie de monter sur un côté. Non. Le bassin il reste toujours à la même hauteur de chaque côté. 7. Encore. 6. 5. 4. 3,
2, raquette tout petit en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et relâchez. Ouais. On décolle ses pieds, les bras longs du corps, le dos en neutre, hein, pas trop creusé, pas trop plaqué, le nombril un petit peu rentré. Si on a besoin, placez un peu les mains sous les fessiers, mais restez en neutre. Je tends la jambe droite et je reviens. Je tends la gauche et je reviens. Donc j'alterne. Le dos toujours placé. Hein. Attention, c'est pas parce que je fais cet exercice-là que mes os se creusent. S'il y a besoin, les mains sous les fessiers. Mais pas les lombaires plaqués, là, ça sert plus à rien. Hein. On fait un travail de gainage, là. 8, 7, encore. 6, 5, plus que. 4, 3, 2, ok, gardez les deux jambes fléchies, les genoux au-dessus des hanches. J'enroule et je replace mes genoux au-dessus des hanches. Je souffle à la montée, j'inspire quand je reviens. Là, forcément, je plaque le dos, mais après, je reviens en neutre. D'accord, je reviens en neutre. Je ne vais pas creuser mon dos à la fin. Hein. Non, j'enroule et je reviens en neutre. Et si on veut, il y a les petits repères avec les mains pour rester en neutre ici. Hein. J'enroule et puis je reviens. Et bon, on va combiner les deux exercices, on fait la même chose, mais on combine, ça fait j'enroule et je tends une jambe. Forcément, plus je tends la jambe vers le sol, plus ça va être dur. Quand je fais l'extension, je suis gainé là, j'ai bien placé mon dos neutre. Ok, on en fait encore 4. 4. Et je tends. Encore. 3. Encore. 2. Le dernier. Ok, regardez, tu décolles pour finir, on vient faire du vélo, j'ai pointe de qui flex. Si ça devient trop dur, pédalez plus haut, d'accord. Si je suis là et je peux perdre ma posture, non, c'est que ça devient trop difficile. Les mains sous les fessiers, ou alors on s'arrête plutôt, hein. Ok, encore 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, et relâchez. Les abdos, hein. On a deux jambes, hein. Cheville droite sur le genou gauche. On est en près du fessier. On place bien son dos en neutre. On décolle un peu le fessier. Et puis c'est parti. On monte et on descend. Allez, 1, 2. Donc j'ai bien changé de côté, hein. Mon dos est resté en neutre. J'ai bien verrouillé. Le bassin, à la même hauteur de chaque côté. Je suis pas là, hein. Ok, il y en a encore 8. 8. 7. Encore. Ne reposez pas au sol. Je pousse bien sur mon talon hein, et je serre. Encore 2. Ok, puis vous restez en petit en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8. 7, 6, 5, 4. Ouais, on peut repartir en grand et comme tout à l'heure, si on veut compliquer, décoller le pied ici sans lâcher sur le genou. Ça va demander plus d'effort de gainage et plus de force sur mon fessier et l'arrière de la cuisse. Hein. Ok, encore 8 grands. 8, 7, encore 6, 5, 4, 3, 2. Ok, les petits en haut. Allez, on s'accroche, tout petit en haut. Allez, encore, je pousse bien sur mes talons, je serre le fessier. Allez, bientôt on relâche. Hein. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Ouais, ça c'est fait. On décolle ses pieds. On place son dos neutre. Les bras longs du corps avec éventuellement les mains sous les fessiers. Là, j'ai les genoux au-dessus des hanches sur la position de départ. Hein. J'enroule. Et puis je tends une jambe et c'est parti. J'enroule et je tends. Encore. Si je tends et je suis pas gainé, ça sert à rien. Hein. J'enroule, je ferai bien ma descente. Et là, quand je tends, je suis en neutre. Et le nombril de rentrée. Hein. Je me répète, mais c'est important. Hein. Encore. 3. Encore. 2. Vous avez vu quand je tends une jambe, le genou, il reste bien au-dessus de la hanche. Ok, pédalez en avant. Allez, je pédale, j'ai les pointes de pied flex. Si
ça devient trop dur, pédalez plus haut. Encore. Donc ça c'est du gainage, hein, le bassin de partir vers l'avant. Moi je le retiens avec mon transverse. Donc je le rentre de nombril. On reprend, j'enroule. J'enroule. Et je tends. Encore cette fois. Allez, jusqu'au bout. Hein. Si ça devient trop dur, on perd sa posture. Oh, on fait une petite pause, on se replace. Et puis après on repart. Hein. Le plus important, c'est la posture. On en fait encore 4. 4. Et je tends bien gainé. Encore. Je rappelle, plus je tends vers le sol, plus le travail de gainage va être dur. Encore une fois. Ok, on reprend le vélo pour finir, mais on peut pédaler en arrière. En pédaler en arrière, c'est un petit peu plus difficile. Rien que le fait de tendre la jambe un petit peu plus vers le bas, là, ça va compliquer. Ok, les derniers. Et bah 4, 3, 9, et relâche. Il faut se grandir ici. Je place les mains loin derrière, les jambes loin devant, et se grandit. Après, on peut s'asseoir, on peut boire un peu et on va se remettre un petit peu debout. Ça dure pas longtemps, lui. Juste un petit peu de cuisse. On va travailler un petit peu les adducteurs ici. Avant les cuisses, adducteurs, un peu le fessier. D'accord ? Jambes écartées, pieds ouverts à 10h10. On va faire du squat sumo. D'accord ? Squat sumo pour que les pieds dépassent la largeur des épaules. Une fois qu'on est là, un squat en pouce. Ici, on va sentir que ça étire un peu là. Si c'est pas le cas, écartez plus vos jambes. Ouvrez un peu plus vos pieds. Ok, la même chose. On vient faire un coup de pied à chaque fois. Encore. 3. 4. C'est que le coup de pied droit. Hein. 4. 3. 2. Ok, on va rester en tout petit en bas. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Encore, encore, pardon. Hein. Encore 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reprend mes jambes, allez, 8, écoutez, 7, encore, 6, 5, Lucas, 4, allez jusqu'au bout, 3, 2, ok, on se met en petit en bas, allez, petit en bas, allez, encore, 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 on va faire une prochaine série, mais là on va alterner, une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Fessier vers l'arrière, hein, pas du tout vers l'avant, je suis loin vers l'arrière ici. Hein. Et 4, 3, le remonte tranquillement et on reprend. Le droit puis le gauche. 7, encore. 6, 5, plus que 4, 3, 2. Ok, on se remet en petit en bas. Ah, il nous reste 30 secondes de cuisse. Restez ici en petit en bas, le prochain, on va venir croiser ici. Là. Si on voit que c'est trop dur, on pourra continuer à alterner. D'accord ? Et le dernier. Et bah 4, 3, on remonte tranquillement et on y va. Soit j'alterne les coups de pied, soit j'en fais l'impulsion ici. Je croise une fois la jambe droite devant, la fois suivante c'est la jambe gauche. Encore. 4, 3, 2, et 1. Bravo, ouais, super. Les cuisses, les adducteurs. Très bien. Si vous avez des poids, c'est le moment de les récupérer. Allez, on a presque fini. Hein. Ça passe juste une demi-heure. On avait quoi au niveau des chevilles? On va travailler un peu le côté des fessiers maintenant. On va se mettre sur le côté, le côté gauche. La tête posée sur son bras pour bien aligner ses cervicales. Pardon. La jambe qui est en dessous. Et fléchir à l'équerre. Ça permet de bien bloquer le bassin. On tend la jambe qui est au-dessus. J'ai les pieds parallèles, pointe de pied fait. Vous n'avez pas de poids, c'est pas grave, hein, ça marche en poids aussi. Hein. Et bien, une fois qu'on est là, pour l'instant, on ramène la jambe et on revient. Je ramène et je reviens. Le bassin, il ne veut pas bouger, donc j'étire ma posture au maximum et non plus le rentrer. Oh, je veux qu'il bouge le moins possible. Bon, il bouge, vous travaillez les abdos en même temps. Hein. Ah, qu'on en fait encore 8 comme ça. Pour la tête, n'hésitez pas à poser la tête sur le bras. D'accord ? Quand on est ici, là, on tire un peu sur ses cervicales. Non, on est bien, la tête posée sur son bras. Ça aligne la tête avec le dos. Ok, on va garder la jambe dans l'alignement du dos. Et on vient faire des petits mouvements ici, vers le haut et vers le bas. Allez, j'ai la pointe de pied flex. Et c'est le talon, j'emmène loin vers la droite. J'ai une ligne droite entre mon dos et ma jambe.
Attention, bassin, hein. Faut pas qu'il parte vers l'arrière. Hein. Le bassin perpendiculaire au sol. Encore. 15 secondes. Allez, encore, encore, encore. Donc on va sentir le côté des fessiers, le côté de la cuisse, le côté du tibia. Encore 8, 7, 6, 5, 4. On repose pas tout de suite, hein. On garde la jambe ici et on vient raser le sol devant. 2, encore. 3, 4. Si le bassin bouge, allez moins vite, d'accord. Sinon, on doit pouvoir faire l'exercice en gardant le bassin le plus fixe possible. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va garder la jambe devant et on vient faire des mouvements fermés vers le bas. J'ai un angle droit entre ma jambe et mon dos. Si ça devient trop dur, au lieu de relâcher, fléchissez les genoux ici, c'est plus cool, d'accord. On s'accroche, hein. Allez, encore, encore. J'ai toujours au moins la cuisse perpendiculaire au dos, hein, d'accord, même avec le genou fléchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Ça, c'est que du bonheur. Faire pas de temps, on va se mettre en position de gainage. Et on va maintenir pour 45 secondes de gainage. Avec ou sans option. 4, 3, 2, 1, et ben c'est parti en position de gainage. Le gainage, hein, je place mon dos. Pas trop creusé, pas trop plaqué. Je suis toujours en position métro. J'inspire un peu le nombril. D'accord. Si on voit que c'est trop dur, posez les genoux. Et là, si on veut compliquer un peu cette première complication, ça va être un pied sur le côté et on revient. Donc le pied à chaque fois sur le côté, sans toucher le sol. Hein. Encore. Je tends et je reviens. On m'embête. Pour info, il reste encore 15 secondes. Hein. Ah, et si vraiment ça devient trop dur, je commence à creuser un peu là. Non, on reste à genoux et on maintient ici, là, d'accord. Toujours en os. D'accord. Vaut mieux poser les genoux, faire un beau gainage à genoux, plutôt continuer sur les pieds et faire un gainage tout moche. Hein. 3, 2, 1, et relâchez. Ouais. On fera une deuxième série tout à l'heure. On a le fessier, une série de gainage, et après c'est bon pour en fou. Hein. La tête sur son bras, la jambe qui est en dessous est fléchée à l'équerre. Je tends la jambe qui est au-dessus et tirez bien la jambe. Hein. Et on vient raser la jambe ici. Voilà. Allez, encore. Donc j'étire bien ma posture. Donc j'ai bien changé de côté, hein. Pas deux fois le même. Hein. Encore. 8, 7, 6, 5, encore 4, 3, 2. Allez, regarde la jambe tendue dans l'alignement du dos. Et on vient faire des mouvements vers le haut et vers le bas. N'oubliez pas le placement du pied. Hein. Pied parallèle, prendre le pied flexe. Bon, j'étire bien ici, j'allonge bien. Encore. Le bassin, pas vers l'arrière. Hein. Le bassin toujours bien perpendiculaire. 15 secondes. Donc pareil, ça devient trop dur. Vaut mieux fléchir un peu le genou plutôt que s'arrêter. Encore 8, 7, 6, 5, 4. Wow, le pied au temps de la hanche, on rase au sol. Allez, 1, 2, encore. Moi je passe la main devant ici, ça me permet de bien bloquer les épaules. Et c'est beaucoup plus facile à contrôler les mouvements. Enfin, je rappelle, le bassin il ne veut pas partir, il ne veut pas arrondir le dos sur le mouvement. Encore 8, 7, 6, 5, encore 4, 3, 2, allez, pour finir, on vient la jambe devant et on vient faire des mouvements vers le haut et vers le bas. Allez, là, j'ai la jambe devant, hein. J'ai un angle à l'équerre entre ma jambe et mon dos, j'ai la pointe de pied flex, et puis si ça devient trop dur, au lieu de relâcher, la solution, c'est de continuer avec la jambe fléchie. Encore 15 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et bravo! Super! Et 45 secondes d'effort encore. Allez, 45 secondes de gainage, et après c'est bon. Hein. 3, 2, 1, et ben c'est parti, on y va. Allez, je rappelle, si ça devient trop dur, sur les genoux, d'accord? On place sur nous. Tout à l'heure, la complication, c'était un coup de pied sur le côté après l'autre là. Si on veut, on peut faire 3 petits. 1, 2, 3, et on revient. Si je fais la complication, mon bassin il bouge pas. Hein. Si je fais la complication et je suis là, bah non, il n'y a pas d'intérêt.
Non, j'ai toujours une posture qui s'allonge, d'accord? Ma tête part loin vers l'avant, mon bassin loin vers l'arrière, le dos en neutre, et j'aspire un peu le nombril. Allez, il reste 15 secondes. Allez, encore, encore. Si ça devient trop dur, je reste en fixe, ou je pose mes genoux. Allez, il reste même pas 10 secondes. 10 secondes et après, c'est bon, hein. 4, 3, 2, 1, et bravo. Et ben voilà, ça c'est fait. Bravo, hein, c'était moins facile, hein. On faisait moins de pauses, on faisait des transitions assez rapides. Et ben super, enlevez les poids, hein, si vous avez les poids. Et puis on va finir tranquillement par des étirements. Bravo, hein, c'est bien. On est fatigué, mais on est bien. Une bonne fatigue. Allez, je vous mets une musique un peu plus cool. Et puis vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Et on va faire des petits étirements. Ça passe vite une demi-heure finale. Ok. Donc allongez-vous sur le dos. On va décoller ses pieds. On va attraper ses genoux. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir dessiner des petits cercles avec le bassin. Dans un sens, puis dans l'autre. En tirant plus ou moins sur les genoux. Voilà, j'ai mon dos qui est bien placé. Voilà, à chaque fois, je reviens en position neutre. Poser le pied gauche au sol, la jambe droite on va la tendre vers le plafond, pousse totalement vers le haut, on l'attrape et on ramène un petit peu vers le sol. On veut l'étirement sur l'arrière de la jambe. Pour aller plus loin, éloignez le pied gauche, plus vous tendez la jambe gauche, plus l'étirement sera grand. Donc gardez bien votre jambe droite tendue, on pousse mon talon vers le haut. Ok, on relâche, on pose et pour tout le monde on change. On pousse le talon gauche vers le haut, on l'attrape, on ramène et la jambe droite on la tend plus ou moins. Et on maintient l'étirement. On doit sentir que ça étire un petit peu. Et je rappelle, fin de cours, les étirements sont légers, d'accord? Les muscles sont fatigués. Donc on étire légèrement sans forcer. Juste accélérer la récupération. Donc voilà, on pose ton pied gauche au sol. Et on va poser la cheville droite sur le genou gauche. On décolle son pied gauche. On attrape la cuisse ou le tibia. Et on ramène vers soi. Essayez de garder le bassin au sol. Je ramène mes jambes. Mon bassin ne se décolle pas, il reste au sol. C'est vrai que c'est un petit peu trop dur, hein. On a un petit peu de souplesse, on va garder le pied gauche au sol et pousser le genou ici. Nous on veut l'étirement sur l'extérieur du fessier droit. On peut sentir un peu le bas du dos aussi si possible. C'est tout bon, on fait celui-là. Ok, on relâche, on décroise et puis on change. Cheville gauche posée sur mon droit, la main gauche pousse, hein, ça c'est l'option, sinon on décolle, on attrape. Ok, on relâche, allez, on décroise, les pieds sont collés, les genoux sont fléchis, on va ouvrir les genoux sur les côtés. Attention de ne pas creuser le dos, c'est de rester en position neutre, d'accord, sur le bas du dos, le nombril rentré. On peut poser les mains sur les cuisses, sur les genoux, et on va essayer d'ouvrir encore un petit peu plus loin. Ok, les genoux sont toujours écartés, et on va emmener les deux bras loin vers l'arrière. Les bras sont toujours loin derrière et on va tendre les deux jambes loin devant, les jambes resserrées. Ok, on relâche, on va passer sur le côté, on vient prendre appui sur ses mains et on va se placer à genoux. À genoux, on va placer la main gauche devant, la main droite à droite. On va descendre les fessiers vers l'arrière en direction des talons. On va tourner le regard vers la gauche et descendre l'épaule droite, l'oreille droite vers le sol. Je suis là ici. J'ai mes deux bras qui sont à l'équerre, un bras gauche qui est tendu devant, un bras droit qui est à droite, et mon épaule droite descend. Mes fessiers continuent à descendre vers les talons également. Chercher l'étirement au niveau du pectoral droit. On revient, et puis on va changer. Bras gauche à gauche, bras droit devant, on descend les fessiers vers l'arrière, on tourne le regard vers la droite, et on descend épaule gauche, oreille gauche vers le sol. Là, il y a même trois choses à penser. Hein. Le bras droit devant, la main gauche à gauche. Il y a l'épaule gauche qui descend et les fessiers qui descendent vers l'arrière. Ok, on revient. On va rapprocher les mains et on va se placer à genoux. On décolle. Dès qu'on a le pied au sol, ses mains sur les genoux. Et on monte tranquillement son dos vertèbre après vertèbre jusqu'en haut.
On va étirer l'avant des cuisses, on va fléchir les jambes droites pour attraper la cheville, on va coller le talon fessier. Alors, si on voit qu'on n'est pas trop à l'aise sur l'équilibre, on va chercher un mur et puis on s'aide avec le mur. On veut rapprocher le talon vers le fessier, mais on veut l'étirement en avant de la cuisse. Donc il faut essayer d'aplatir le dos, donc on contracte les abdos, on serre les fessiers, on se grandit en gardant toujours les jambes côte à côte. Et si vous placez le genou légèrement vers l'arrière, ça peut accentuer. Vous n'avez pas creusé le dos, sinon on n'a plus l'étirement. On relâche et puis on change. On attrape les jambes, on aplatit le bas du dos en contractant les abdos, en serrant les fessiers, on se grandit en gardant les jambes côte à côte, voire le genou un petit peu vers l'arrière. On va chercher donc l'étirement sur le quadriceps, l'avant de la cuisse. Ok, on relâche, les pieds se placent vers le jour du bassin, on va inspirer, on monte ses bras, et on souffle vers le haut et sur un côté. On inspire, on revient et on souffle de l'autre côté. Inspirez, revenez, et là relâchez tout. Allez, on fléchit les genoux, main sur les genoux, et remontez tranquillement jusqu'en haut. Et moi je vous dis bravo, très bien, super, c'était pas un cours facile. Vous avez réussi, bravo, à la prochaine.